Bon, eh bien, on va aller faire un tour dans un coin que je connais pas, La Roche au Pihu. Pihu, Pihu. Eh bien, copain, ça grimpe, hein? Oh, oui, sacrément. Bon, ça fait une demi-heure que je grimpe. J'arrive quasiment dans le brouillard, ou presque, et il n'y a pas d'indication. Bon, je suis sur le dernier plateau, là, je vois qu'il y a une antenne au bout, et j'ai pas vu de roche à pilou, là. Ou à piou, je sais pas quoi. Bon, alors, c'est pas une antenne, hein. C'est un poteau électrique. Ouais, tu vois, là. Je suis dans le brouillard, c'est le cas de le dire. Je suis dans le brouillard, et puis c'est tout. Voilà, ça continue par là, mais sans indication. Il y a des chemins de partout. Bon, bah, je redescends parce que, arrivé à côté des pylônes, là, bah, je suis tombé sur un chasseur. Je ne tenais pas à prendre un coup de fusil dans le cul quand même si c'est du petit plomb. Et puis, c'est tout. Bon, bah, je vais continuer par là. Ça grimpe aussi pas mal. On entend déjà les petits osios. Eh bien, je vais me poser sur cet arbre-là. C'est déjà fait d'ailleurs, mon sac à dos il est posé. Pour faire ma petite pause. Et puis c'est tout. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça si c'est pas beau tout ça. T'as vu? C'est magnifique, hein? Qu'est-ce que tu veux de mieux, toi? Qu'est-ce que tu veux de mieux? C'est l'heure de la pause, les copains. Ah, ça fait du bien. Ah ben, encore pas un chat. Ils sont pas capables de nous indiquer les chemins des randos. À un moment donné, t'as plus rien. Tu te démerdes. Et comme j'ai pas de carte d'état-major, eh ben c'est la merdouille.